Bonjour tout le monde, c'est Joseph, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle recette. Je pense que c'est la recette que vous attendiez le plus. Je pense que vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo, ça va être du poulet frit coréen. Je vais vous proposer trois sortes de sauces. La sauce basique yangnyeom, la sauce soja sucrée et enfin la sauce à l'ail. C'est vraiment les meilleures sauces qui existent pour le poulet frit. C'est parti, on va commencer. C'est super important de bien nettoyer à l'eau parce que ça contient beaucoup de bactéries. Allez. Mais voilà, de retour avec les poulets. D'abord, il faut que je désosse les cuisses des poulets. On va couper en petits morceaux. Des morceaux genre faciles à mettre en bouche, quoi. Concernant les pilons, comme c'est déjà assez épais, il faut les trouer. Hein. Okay, des trous comme ça. Voilà, nous avons préparé le poulet. Maintenant, étape très très importante, on va assaisonner tout ça. C'est hyper important pour que ça ait un meilleur goût au moment de la dégustation. Du sel, c'est important de bien saler tout ça. Je vais rajouter un peu de poivre. On va également mettre du vinaigre pour masquer les mauvaises odeurs de la viande. Voilà, parfait. Et on va bien mélanger. Il y en a qui rajoutent du lait, mais franchement, ça sert à rien. Et vous pouvez rajouter, si vous avez envie, un peu de bière pour que la viande devienne plus tendre. Bon, j'allais pas utiliser de bière, mais j'ai vu que dans le frigo, il me restait la bière Desesperados de la dernière fois de ma recette burrito. Attention. Allez, attendris-toi. Ça se dit ou pas? Allez, on recouvre tout ça de film plastique. Une fois que c'est bien recouvert, direction le frigo. Pour les sauces, on va avoir besoin de beaucoup d'ail. Beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai déjà préparé un peu d'ail ici. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point les Coréens adorent l'ail. Ok. Regardez-moi la quantité d'ail qu'il y a, c'est incroyable. Tout ça pour 3-4 personnes. On met tout ça dans le bol. On va couper un peu de poireau. Pour la liste précise des ingrédients, je vous mets tout dans la barre de description, n'ayez pas peur. Parfait. Et on va couper un autre piment. À partir de maintenant, on va commencer à préparer les sauces. Alors la première sauce qu'on va faire, c'est la sauce yangnyeom. C'est super simple, suivez-moi, c'est très rapide. Donc déjà, je vais ajouter une petite cuillère, même une cuillère et demie d'ail, gochujang. On mélange un peu, il ne faut pas que ça crame, surtout pas. Quand vous voyez que c'est fort comme ça et que ça commence à coller sur le fond, on va ajouter juste un tout petit peu d'eau. Rien à craindre. On ajoute juste un peu d'eau et c'est parfait. Donc à ça, on va ajouter du ketchup, 2 cuillères, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de poudre de piment rouge séché, 2 cuillères à soupe de sucre et enfin 2 cuillères à soupe de sirop de riz. Alors le sirop de riz, c'est quelque chose d'ultra gluant. Ça va donner une nouvelle texture à votre sauce, une sauce bien collante. Mélange tout. Une fois que c'est porté à ébullition, normalement c'est terminé. On va goûter. Bon les gars, je viens de goûter. Je pense que ça manque un peu de sucre. On va rajouter une petite troisième. Un petit peu de ketchup. Parfait. Donc, première sauce terminée. Alors pour la deuxième sauce, on va préparer une sauce soja. C'est simple. Avant d'allumer le feu, on va rajouter 4 cuillères à soupe de sauce soja. 4 cuillères à soupe de sucre, les poireaux découpés, 1 cuillère à soupe de sauce tonkas, 2 petites cuillères à soupe de sirop de riz, okay. Un peu d'ail en semoule, un peu de vrai ail, un peu de bilim, c'est de l'alcool. On allume le feu. On mélange bien. Et aussi, on va essayer de relever un peu le goût de la sauce. On va rajouter du piment thaïlandais, c'est du piment ultra épicé. Donc, normalement, il faut faire au couteau. Mais moi, comme je suis un fou, je vais faire à la main. Voilà. Voilà. Et surtout, bien se laver les doigts après ça. Une fois que ça a commencé à bouillir, on va éteindre le feu et mettre de côté. Troisième et dernière sauce, on va préparer la sauce à l'ail. Du coup, on va mettre tout l'ail. On va ajouter du miel. On va ajouter simplement 2 cuillères à soupe de miel. Un tout petit peu de sucre. Un peu d'alcool pour cuisine. Les piments découpés préalablement, ainsi que les poireaux. Et on commence à bien mélanger. Et nous allons également rajouter un peu de jus de citron, un peu de sirop de riz. Allez, une cuillère, c'est bon. Si vous voulez manger un peu plus épicé, vous rajoutez le piment rouge ultra épicé. Et on mélange bien le tout. Et voilà, troisième sauce est prête. Bon, cette fois, passons à la partie la plus intéressante, la partie de la friture. On va sortir le poulet. Hop là, ça a bien mariné. Maintenant, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de créer une pâte à frire. Vous vous rappelez de ça? De la poudre de friture. Si vous n'en avez pas, bah dommage. Non, je plaisante. Vous pouvez utiliser de la fécule de pomme de terre ou tout simplement de la farine. Mais juste un tout petit peu, suffisamment pour le poulet. On va rajouter de l'eau, mais de l'eau glacée pour que la friture soit encore plus croustillante et délicieuse.
Allez, on mélange bien. Il nous faut une pâte bien liquide. Une fois que tout est bien mélangé et homogène, on va rajouter nos poulets. On remue bien. C'est à ce moment-là qu'on rajoute juste un tout petit peu de poudre. On remélange un petit coup. Et pendant qu'on fait ça, on va préchauffer l'huile. L'huile, pardon. On va le préchauffer à 160 degrés au départ. Vous allez avoir besoin d'un sac plastique. Dans ce sac plastique, qu'est-ce que vous allez faire? Rajouter un peu de poudre pour la friture. On va rajouter nos belles viandes. On secoue. On secoue. On secoue. Et une fois qu'on fait ça, ça ressemble à ça. Allez les gars, c'est parti pour la partie friture. On fait frire tout ça pendant au moins 7 minutes. Bon, une fois que vous avez terminé votre première friture, on va passer à la deuxième friture et on va élever l'huile à 180 degrés. Hop là. 1, 2, 4. C'est parti. Pour la deuxième friture, on va les faire frire au moins pendant 5 minutes. La panure sera ultra croustillante et tout sera bien cuit à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, à partir de la deuxième cuisson, ça devient du golden brown. Et on va faire frire le reste et je vous retrouve après. Vous allez voir, vous allez entendre, vous allez écouter comment ça croustille. Attends, c'est chaud. Voici les trois sauces. On va commencer par la sauce yangnyeom. On allume le feu. On rajoute un peu d'eau, juste un tout petit peu, hop là, on mélange. Faites-moi confiance, ça va être délicieux. On va rajouter d'abord les pilons. On va mettre deux pilons pour le yangnyeom et on mélange bien. Voilà, on mélange tout. Cette fois, on va utiliser la sauce soja. Tout mettre. Une fois que ça va commencer à bien bouillir, on va rajouter nos poulets. On voit que ça commence à monter. On rajoute un pilon, nos poulets frits et puis on mélange. Parfait. Et enfin, dernière sauce, honey thai, honey garlic. Pilon, le dernier pilon, hop là. Nos poulets. Et puis on mélange. C'est bon, ma fille. Regardez-moi cette beauté, mais ce n'est pas incroyable. Ça y est, j'ai fini les poulets. On va enfin pouvoir les déguster. Ça fait longtemps qu'on a attendu, hein. Ouais. Wow. Super bon. Passons à la suite. Poulet suivant, on va tester le poulet sauce soja. Ça aussi. C'est bien meilleur. Vraiment bon. Alors en fait, on sent un tout petit peu la sauce soja, mais en même temps, ça prend pas le dessus des autres goûts, des autres saveurs. C'est tout aussi bon, tout aussi harmonieux. Dernier, le honey garlic chicken. En vrai, c'est pas mal. Au départ, tu ressens le miel, mais ça reste pas longtemps. Et puis au fur et à mesure que tu manges, t'as l'impression de sentir l'ail, mais tu sens plus trop l'ail. C'est assez étrange, mais le tout va très très bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais une chose est sûre, les trois recettes sont très très bonnes. Bon les gars, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quelle autre recette vous voulez que je vous présente. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine.